Bonjour à tous, c'est Thérapie de Soin. Donc nous sommes présents à Trinité, à Tartane précisément. Donc là nous avons Kelly avec nous qui vient juste de recevoir une prestation en réflexologie plantaire. Donc Kelly, alors, que veux-tu dire de cette prestation de réflexologie plantaire? Comment est-ce que tu te sens? Eh bien j'ai beaucoup apprécié. Mm-hmm. Alors c'était trop court. Mais c'est une bonne mise en bouche. On en ressort détendu. Je pense que c'est le mot. On en ressort détendu et avec envie d'en avoir plus. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment rappeler que c'est dans le cadre de la journée d'activité pour l'association sportive de la Sarah. Donc c'est sûr que le timing est un peu court, mais effectivement, on fait comme on peut en tout cas. Donc, est-ce que tu aurais un message à passer pour des personnes qui voudraient tester? Eh bien, je dirais aux gens d'essayer, de tester. C'est toujours intéressant d'essayer de nouvelles choses. Donc, pour le bien-être, on est déjà assez stressé, assez sollicité au quotidien par plein de choses. Si on peut s'accorder ce court instant de bien-être, je dirais à tout le monde d'essayer. D'accord, Benoît, merci beaucoup. Okay. Merci. Savoir qu'on peut commencer seulement à partir du deuxième trimestre. Et ça permet de lier des liens avec le bébé, de sortir de cette période de stress parce que beaucoup de mamans, surtout quand c'est le premier enfant, elles ont un peu l'appréhension par rapport à l'accouchement, les peurs, tout ça. Et ça permet vraiment d'avoir plus d'assurance en soi-même et d'être complètement relaxé puisqu'on sait que nos émotions, le bébé ressent aussi les émotions. Donc c'est vraiment pour permettre au moment de pouvoir trouver un espace où elles peuvent se sentir parfaitement elles-mêmes, en paix, en harmonie avec elles-mêmes et baigner dans cette énergie-là. Après, pour celles qui aiment aussi un petit... Parce que c'est vrai que ça peut être très axé sur la relaxation, mais on peut aussi faire de la pratique posturale en fait. Donc vraiment les poses de yoga qui sont reliées au yoga kinétique, donc le yoga africain. Donc là aussi ça permet de vraiment pouvoir étendre les muscles, d'étendre le corps et voilà tout cela en fait. D'accord. En gros, aller vers un mieux-être pendant la grossesse. Bon, alors, oui. Laisse-c'est, qu'est-ce que c'est? Tu peux c'est lui qui va parler, qu'est-ce que c'est? Laisse-c'est. C'est l'association... sportive et culturelle. D'accord. De la Sarah. Oui, de la Sarah. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette association? Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé le 20 novembre. Ah ouais? Et je n'ai absolument pas D'accord. Bon, vous avez quand même eu droit à une séance de réflexologie plantaire. C'est la première fois? Oui. D'accord. Oui, c'est la première fois. D'accord. Alors, quel effet ça fait? C'était très relaxant. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'était relaxant. J'ai été un petit peu surprise au début par le bol. Mais au final, j'ai trouvé que le son, ça permettait de vraiment s'immerger, de plonger dans la séance. Donc après, moi, là, c'était un petit échantillon. Donc il faudrait peut-être que je fasse une séance un petit peu plus longue pour mieux apprécier les bienfaits. D'accord. Voilà. Donc cette séance vous a été dispensée par Thérapie de Soin Institut. Oui. Donc voilà. Et si vous aviez, est-ce que vous recommanderiez cette séance à vos proches? Oui, je pense que je recommanderais de découvrir effectivement la réflexologie. D'accord. Merci. Ça